Rétromobile cette année, c'est en mémoire de Paul Berlier, la présentation d'un TDR 7W, qui est un véhicule qui était pour lui très important parce qu'il avait eu à le rénover à la fin de la dernière guerre mondiale. Et donc tout le monde y a mis beaucoup de cœur pour en faire un superbe véhicule. Cette gamme de véhicules a été créée en 1936. Elle était possible en essence, en gaz au bois et en diesel. Celui qui est derrière nous, il est de 1948, donc c'est un diesel. Il a un moteur de 7 litres, il a une boîte 4 vitesses, un pont double démultiplication, des freins à air Westinghouse et surtout, ça a été un ancêtre de tous les tracteurs. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment fonctionne ce camion. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Alors écoutez, à première vue, déjà un volant, on reconnaît bien. Forcément grand. Forcément grand parce que pas, pas assistance. Donc pas assisté. Augmenter le levier. Alors il s'agit là du Komodo qui était d'une tradition auquel tenait beaucoup Marius Berlier, c'est-à-dire d'avoir un regroupement sous la main du conducteur de toutes les fonctions essentielles au niveau des phares, code, contact et klaxon électrique. Ici, on voit la position des démarreurs qui était quelquefois un peu plus tard par poussoir. C'est le même principe. En basculant, on crée un contact instantané qui lance l'électricité et qui permet de démarrer. Nous avons là l'accélérateur à main qui permettait d'avoir une vitesse de rotation au ralenti suffisante pour que le camion ne boite pas ou ne vibre pas, en choisissant la position qui donne le ralenti qui convenait. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ancêtre du cruise control ? Entre autres, oui. Sur le plan technique, d'abord c'est une injection licence Ricardo il consommait 20 et quelques litres au 100 km pour une vitesse de 52 km/h, c'est pas mal. Et puis les freins à air Westinghouse qui a été un gage de sécurité extraordinaire à cette époque. Autre particularité qui est née en 1947, et donc celui-là il est tout nouveau, hein, c'est le compresseur bicylindre, entraîné par les courroies, qui était un graissage séparé, il n'avait pas le graissage du moteur, un graissage par barbotage, une préfiltration de l'air admis, et qui permettait effectivement de monter jusqu'à 10 kg de pression sur 40 litres, la bonbonne à air comprimé. La rénovation, ça a été à partir de véhicules épaves, un an de travail, où on a dépliauté complètement le véhicule. La cabine est en bois, elle est recouverte d'acier, donc il a fallu refaire tout ça. Et on a, après l'avoir refait, on l'a repeint, donc aux couleurs avec le bleu Berlier, et pour donner le résultat que vous avez devant vous. Ce qui est intéressant sur ce camion, tout est intéressant, mais particulièrement à l'arrière, on peut compléter, vérifier qu'on a affaire à quelque chose d'extrêmement solide, l'épaisseur de près de 7 mm du châssis, les traverses, rien n'est léger là-dessus, mais particulièrement ce pont, qui est un pont porteur, donc il doit tenir la charge, il doit aussi permettre d'avancer avec la puissance nécessaire, on est relativement limité avec le moteur, donc on a un pont à double réduction, qui permettait effectivement ce qu'on voyait dans le temps avec les chaînes sur le côté, est intégré au pont arrière. On a un pont avec attaque classique, couronne et pignon d'attaque, qui entraîne une grande couronne au-dessous, qui permet effectivement de réduire de un tiers ou deux ou un quart en fonction du rapport dedans choisi, et ainsi d'avoir une puissance roue extrêmement forte. Pour porter tout ça, une cuve de pont d'une épaisseur hors du commun et d'une solidité. J'ai rarement ouvert un pont comme ça dans ma carrière, rarement. Ou alors pour faire quelque chose, un roulement, mais jamais. C'est indestructible. Indestructible, indestructible. D'ailleurs, dans les magasins de pièces de rechange des concessions Berlier de cette époque-là, on ne prenait pas de pièces de pont. C'est pas la peine de faire des stocks inutiles.